Il existe des personnalités qui ne laissent personne indifférent. Le paradoxe avec cette personne, c'est que c'est un humoriste. Et l'humour, normalement, ça rassemble. Pourtant, cet humoriste et son humour étaient devenus des enjeux sociétaux, politiques, bref, le sujet numéro un de la France. On ne parlait que de ça et les Français se déchiraient autour de ce sujet. Récupération politique, liberté d'expression, antisémitisme, tout s'est mélangé dans cette affaire. Revenons, si vous le voulez bien, sur l'humoriste le plus polémique de ces 30 dernières années. Comment cet homme, dont le rêve était de voir un jour une société métissée, mélangée, où toutes les religions, toutes les cultures vont vivre en bonne harmonie, est passé d'humoriste talentueux à l'infréquentable numéro 1 de la France. Faites entrer l'ennemi public numéro 1, Dieudonné Mbalambala. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très touchy, ultra sensible, on va parler de Dieudonné. Humoriste pour les uns, antisémite pour les autres, Dieudonné est un personnage qui ne laisse personne indifférent. À l'instar de la série sur Cyril Hanouna, que vous avez beaucoup aimé, je vous propose une série de 2 ou 3 vidéos où nous allons revenir ensemble sur l'histoire de Dieudonné Mbalambala, en commençant par un premier épisode sur sa vie et son ascension, en terminant sur comment cet homme est passé d'humoriste infréquentable et à ennemi public numéro 1. Si vous avez apprécié l'objectivité du travail sur Cyril Hanouna, alors normalement vous apprécierez cette série de vidéos sur Dieudonné. Et si je vous dis ça, c'est pas pour rien, parce que je sais que le sujet est sensible et je ne veux pas que l'espace commentaire devienne une arène où les pro-Dieudonné et les anti s'affrontent. Je compte donc sur vous pour être ouvert d'esprit, mais surtout pour être les plus objectifs possibles. Mettez de côté votre ressenti, vos pensées, vos a priori et laissons les faits parler. Vous l'avez donc compris, je ne suis ni un pro ni un anti, pas un anti, hein, un anti. J'ai déjà rigolé et apprécié certains sketchs, mais j'ai également déjà été dérangé par certains propos. En tout cas, comptez sur ma neutralité, je ne parlerai que des faits. Avant de commencer la vidéo, et comme d'habitude, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, un commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche de notification, très important pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et maintenant que c'est fait, c'est le Alès Time. Le Alès Time, c'est quoi? C'est une petite minute pour te mettre à l'aise. Tu vas te chercher à boire, à manger, tu te mets dans la tenue, la position où tu te sens le plus à l'aise. Une fois que c'est bon, tu m'envoies un message. Là, on peut y aller. Dieudonné, né le 11 février 1966 d'un papa camerounais et d'une maman bretonne. Son père est expert comptable et sa maman sociologue. Dieudonné grandit en banlieue parisienne, d'abord dans les Hauts-de-Seine, puis dans l'Essonne. Il reçoit une éducation assez stricte, guidée par la religion catholique. Il est baptisé, puis communié, et il fait donc ses études dans une école catholique. Il vit une jeunesse heureuse avec des parents aimants qu'il qualifie d'intellectuels et d'éternels étudiants, et il est bien conscient que le fait de vivre au milieu des livres le place comme un privilégié par rapport à ses copains de banlieue. Il termine ses années lycée sans diplôme, c'est pourquoi il commence à travailler en tant que commercial polyvalent. Mais il faut le dire, pour ses débuts dans la vie active, Dieudonné il n'est pas hyper motivé. Il travaille 6 mois dans une boîte, il se met au chômage, il refait 6 mois dans une boîte, etc. etc. Il veut, c'est juste travailler assez pour toucher les assédiques. Et c'est pendant ces périodes de chômage qu'il commence à écrire ses premiers sketchs. On a parlé donc un petit peu de la vie de Dieudonné, maintenant nous allons rentrer dans sa carrière. Il y a une rencontre qui changera sa carrière à tout jamais. En terminale, Dieudonné a dans sa classe une personne qui deviendra son acolyte. Et cette personne n'est autre que Élie Semoun. Ils feront leur début au début des années 90, et à ce moment-là,
Ils ne savent pas encore qu'ils deviendront un des duos mythiques de l'humour français. C'est réellement en 1991, lors d'une scène ouverte au Café de la Gare, que le duo va commencer à faire parler de lui. Maintenant qu'ils se sont fait remarquer, le duo accède à ses premières télévisions. Grâce à leur premier passage en télévision, ça y est, le duo décolle enfin. Notamment grâce à des sketchs comme Cohen et Bokassa. Ce que je comprends, moi, Cohen, c'est qu'en 45, les Boches, ils auraient pu finir le boulot, Cohen. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Vas-y, en plus. Hey, Bokassa, tes chimpanzés, là, qui courent partout dans la résidence, ils sont numérotés, non? Parce que c'est pas un plus ou un moins, enfin, je me comprends. Vendredi, on organise un safari avec les voisins. Et puis la pirogue, la tugare en bas du parking, va falloir la mettre ailleurs, n'est pas en Afrique ici, enfin, je me comprends. Attention, Cohen, ça va être la vraie boucherie, je te préviens, Cohen. Et celle-là, elle sera pas cachère, Cohen. Aïe, 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 retenez-moi, je vais broyer du noir. Le duo commence donc à se faire une réputation sur les plateaux TV, mais également sur scène grâce à leurs sketchs. À cette époque, ils sont mis en scène par Pascal Légitimus et leur spectacle Élie et Dieudonné rencontre un fort succès. Bon, alors je vous mets Mahmoud, je vous mets du melon, je vous mets du portos, je vous mets du spaghetti et c'est parti pour la une, voilà. Ah bah non, chef, il y a un problème là actuellement. Qu'est-ce qu'il y a? Selon mon ordinateur portable CD-ROM, là, Mahmoud, il est malencontreusement décédé, là. Il s'est éclaté de la poutrelle du 14e, là, comme une galette, c'est, là. C'est des choses qui arrivent, sur un chantier à 300 briques, hein. De toute façon, je t'avais prévenu, on va encore en perdre une quinzaine, hein. Faut pas compter moins, hein. On va pas dépasser les... Tu fais pas d'omelette sans casser les œufs, hein. Bien sûr, chef. On est dans les quotas, là. Non. Comment ça, il a failli entraîner un Martiniquais? Je t'ai dit pas de Martiniquais au-dessus de 2m50. Je sais bien, chef, mais il avait fumé, on sait pas comment qu'il a fait pour grimper là-haut, chef, comme s'il y a rien qu'au cocotier. Bon, alors... Bon, ben, tu me prends les nouveaux, là, tiens. Les nouveaux, là, je sais pas quoi, là, les gens foutres, là, les Yougoslaves, les Serbo-Crotes, je sais pas quoi, là. Et en revenant du raccordement des goûts, tu me les assois pas sur les banquettes du G9, hein. Bien sûr, chef. Tu me les fous derrière la pelleteuse, là, hein, côté du container, là. Tu les mets à poil et tu les laves au Karcher, les mecs. D'accord, chien. Ils ont empesté tout le réfectoire la dernière fois. Qui a fait la force du duo, c'est de parodier les attitudes, les discours racistes et d'utiliser ces clichés justement pour dénoncer le racisme. Dieudo et Élie apparaissent donc à cette époque comme un duo comique antiraciste. L'année 1993 sonne comme un tournant dans la carrière de Dieudonné, mais également dans celle d'Élie. En effet, ils vont créer ensemble une société qui s'appelle Bonny Productions. Cependant, l'essentiel du capital est détenu par Dieudonné et son frère. Alors comme ça, je peux pas vous donner les proportions. J'ai regardé sur société.com, mais malheureusement, cette donnée n'est pas affichée. Cette société, malgré tout, est un petit peu le début de la fin dans le duo Dieudo-Élie, puisqu'au fil du temps, Dieudonné Mbalambala se montre de plus en plus exigeant en affaires. Au point que par exemple, il va demander de l'argent pour que Élie et lui-même participent à des émissions, alors que ces émissions les ont lancées à leur début. C'est à cette période-là qu'il commence à acquérir la réputation d'emmerdeur dans les milieux du spectacle. En parallèle de Bonny Productions, effectivement, Dieudo crée d'autres sociétés. En 1994, France 2 leur confie l'écriture et la réalisation d'une émission spéciale. Ils font plusieurs sketchs et à l'intérieur, on peut y trouver Franck Dubosc ou Danny Boone. Et sur cette émission, ils ont cartonné. En 1995, les relations entre Dieudonné et Élie Semoun commencent à se tendre. Élie Semoun en a marre que Dieudonné ait la main mise sur la gestion financière de la société et il se sent lésé financièrement. En 1997, ils tournent ensemble le film Le Clone et ça sera leur premier et leur dernier film. Il n'est pas question que je montre un crétin qui est à peine capable de laver un carreau. Y a un problème, monsieur Thomas? Non, ça va, tout va bien. Et vous, ça va? Bien, merci. Bonjour, ça va? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? On s'est parlé pendant une demi-heure tout à l'heure.
Je t'ai expliqué que ma femme voulait divorcer, toi tu me demandes si ça va bien. C'est moche comme attitude. Ah non, pas du tout, je suis pas le type que vous avez vu tout à l'heure. Moi, je suis Leonardo, son clone. Ah, pas le type du ménage. Hein. Non, non. Sors de l'ordinateur pour connaître la vie, voir un petit peu. C'est donc peu après la fin du tournage que le duo se sépare. Et là, il y a deux versions. Il y a la version de Dieudonné qui explique que Elise et Moon rêvait depuis toujours de faire du cinéma, et c'est pourquoi, quand les opportunités se sont présentées, il a tout naturellement cédé aux sirènes du grand écran. La version d'Elise et Moon est un petit peu différente. Ellie reproche à son compère son obsession pour l'argent, mais surtout d'avoir mal redistribué les revenus et donc de l'avoir lésé financièrement. En 1997, très peu de temps après leur séparation, Dieudonné sort une masterclass. Son premier spectacle solo, Dieudonné tout seul, met tout le monde d'accord. Très apprécié par le public, plébiscité par les critiques, Dieudonné apporte une réponse claire à ceux qui doutaient de lui après sa séparation avec Elise Moon. Il est talentueux et il n'a besoin de personne pour réussir. C'est mal prononcé aujourd'hui, mais... Oh... Non, je ne peux pas vous laisser dire ça, vous savez. Je crois qu'aujourd'hui, les églises ont beaucoup changé. Aujourd'hui, une fusion est envisageable entre les différentes composantes religieuses et les sectes en tout genre. Je crois que l'industrie spirituelle est en grande mutation. La venue du pape en est un exemple flagrant. Pour redonner au premier empire de cette civilisation un souffle de renouveau. Car nous sommes, monsieur, depuis toujours, la juste conscience des peuples. Nous sommes l'amour. Nous sommes la liberté. Voici un extrait du spectacle Dieudo tout seul, et vous l'avez compris facilement, j'imagine, mais à travers ce sketch, Dieudo dénonce le lien entre l'église catholique et le nazisme. Ce qu'il dit à cette époque à la presse, c'est que le spectacle est le fruit d'un engagement, mais surtout d'une utopie. Ce qu'il rêve, lui, c'est de voir un jour une société métissée, mélangée, où toutes les religions vont vivre ensemble. Un grand rêveur, ce Dieudo. Parce qu'il y a du boulot. Autre date extrêmement importante, 1999, Dieudonné loue le théâtre de la Main d'Or. Il a donc un lieu pour gérer ses multiples activités, celles d'artiste, mais également celles d'auteur et de producteur. Au début des années 2000, Dieudo continue sa carrière solo, et en 2001, il sort son deuxième spectacle solo, Pardon Judas. Alors pourquoi demander pardon à une personne qui a facilité l'arrestation du Christ, qui l'a balancé? Eh bien en fait, dans ce spectacle, Dieudo réhabilite Judas parce qu'il se sent plus proche de Judas que de la religion catholique. Et souvenez-vous pourtant, il a reçu une éducation catholique. Alors j'ai fait tout le bassin méditerranéen, j'ai pas fait la Corse. Hein, parce que j'ai... Ces accusés de troubles de l'ordre public, d'incitation à l'émeute et enfin... de révisionnisme blasphématoire envers les communautés religieuses, toutes confondues. Oui, alors je... Accusé, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Je suis coupable, oui, certes, d'avoir suscité chez certains la vocation de prophète. Oui, bon, mais j'ai merdé, oui, j'ai merdé. Et dis donc, moi, mes propos n'étaient là que pour divertir au départ, hein. C'était une plaisanterie, c'est vrai. Hein. Alors, on peut me considérer par certains égards comme le père de certaines de vos religions, hein. Mais j'ai merdé, mais dis donc, faut être deux aussi pour merder, hein. Hein, parce que chacun l'a un petit peu interprété à sa sauce aussi la parole du Christ, et ça va parler. Comment ça, monsieur? Mais non, mais monsieur, ben, je vous coupe, dis donc, Rose. Vous savez, nous avons été si proches, monsieur, avec Jésus. Hein. Oui, mais non, mais c'est qu'aujourd'hui, vous le jugez une deuxième fois. Hein. Ah ben si, hein. D'ailleurs, si vous décidiez de me crucifier, hein, mais ça serait déjà fait, monsieur, hein, excusez-moi, hein, je vous demanderai le privilège, hein, vu mon grand âge, de ne pas avoir à porter cette croix de bois, qui fait une tonne, là, qu'il faut traîner sur des kilomètres, le truc. Hein. Hein, je sais qu'il existe aujourd'hui un genre de transpalette. Qui me permettrait d'aller jamais avec le rognon sans ses mains. Mais oui, mais non, c'est pas honnête, parce que l'autre derrière, en loose-dé, il vous dépose le concept du Dieu unique. Hein. Ah ouais, le monothéisme. Mais non, je suis désolé, c'est pas honnête. Hein. Mais non, 150 générations derrière, ils se font des couilles en or encore avec cette histoire. Alors que normalement, c'était pour tout le monde le truc. Hein. Mais ouais, mais non, je vois pas pourquoi les gens s'approprient les trucs. Mais non, moi je suis comme ça, moi j'aime pas le. Hein? Ah ben les prophètes, si, je les ai bien connus. Ben, le milieu du divan est tout petit aussi. Hein. Ah ben tout le monde se connaît plus ou moins aussi. Ah ben les mecs, si vous voulez, ils ont tous plus ou moins la même formation. Hein. Formation de prophète, oh, ça se fait en 2 ans à peu près.
Hein, après un bac, en général, on les prend. Non, mais le gros problème, non, ouais, non, mais je vous coupe, hein, de toute façon, je comprends rien. Le gros problème, si vous voulez, des prophètes, c'est que aucun n'est parvenu au bout de son boulot. Mais non, les mecs, ils se prennent, si vous voulez, ils se prennent tous les pieds dans le tapis, les mecs. Hein? Ah ouais, le tapis de la tentation. Hein. Ah, les mecs, ils ressortent, mais non, mais ils tirent. Ils pètent les plombs, il y en a même qui essayent de marcher sur l'eau, il y en a... Ah non, non, c'est vrai, c'est la vérité. On retrouve à moitié noyé, là, tu sais, dans la vase. Mais oui, mais si on n'en parle pas, les jeunes sont pas prévenus. Ah non, les mecs, ils pètent les plombs, ils ressortent avec un melon comme ça, ah non, il y a un melon. Non, je dis pas ça pour vous, oh, dis donc. Oh. Il était nul, l'autre, hein. Ouais, ouais. En réalité, au travers de ce sketch qui est, lui, dirigé contre l'Église catholique, pas vraiment contre l'Église catholique qu'il en a, c'est plutôt contre toutes les religions monothéistes. D'ailleurs, à l'époque, pour ce spectacle, il reçoit des menaces. Il calme le jeu en disant qu'il n'a rien contre les religions monothéistes, mais que c'est plutôt destiné contre les institutions. Il rajoute d'ailleurs que si les prophètes Jésus, Abraham, Mahomet et Bouddha était là, eh bien, il serait d'accord avec lui, puisqu'il n'existe aucune frontière religieuse entre les hommes. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Dieudonné a une religion. Sa religion, c'est les droits de l'homme. Même s'il est considéré comme un phénomène à l'époque, l'apothéose sur scène pour Dieudonné, c'est en 2003. Il reçoit le Grand Prix de l'humour noir catégorie spectacle pour son spectacle mythique, Le Divorce de Patrick. Ce spectacle est un mélange entre une mise en scène de son ami Patrick qui divorce... D'accord, mais elle s'est tirée pourquoi ? Dans quelle optique pour que... Hein pour avec un autre mec. Oh la salope, putain, là. Hein? Non, excusez, oui, je suis la coquine, je veux dire. Mais qui, le professeur de piano de la gamine. Une tafiote de musicien, en plus. Là, c'est... Quoi? Un shintok? Non, mais arrête, là, ça devient dégueulasse. Attends, un peu de pudeur. Oh la vache, là, t'auras rien épargné. Là, c'est la complète, là. Œuf, jambon, fromage, et ta vie. Hein. Et tu veux que j'aille lui faire péter les deux tibias, ton Jackie Chan, ou pas? Attends, moi, je lui envoie deux gars du boulot, c'est réglé, ton histoire. Hein. Te faire ça à toi, qui a toujours été droit comme un i, putain. Oui, un i, bon, un i minuscule, ça va. Mais non, tu l'as pas trompé, arrête. Tu t'es gouré de gonzesse une fois ou deux, ça arrive, ça va. Mais je veux dire, t'as toujours fait ça dans un bon esprit, t'as pas été... Oui, je me souviens de ta petite stagiaire, Christelle. Oh, mon salaud, et t'as vu l'engin que c'était, le truc? C'est un genre de légitime défense qui t'est arrivé, je veux dire, t'as rien fait. Là. Et un moyen de dénoncer les fanatiques religieux. Par exemple, vous vous souvenez du 11 septembre? C'est encore une histoire d'amour. Hein. Bien sûr, c'est pour l'amour de Dieu qu'ils ont été se faire péter. C'est vrai, hein. Bon, il y avait la carotte au bout, il y avait 1000 vierges, il paraît, à gagner. Il y a le grand moufti, il leur a vendu le projet. Hein. Hein, t'y vas, puis t'as le droit à 1000 vierges. Là, au niveau de la vente, il est béton, le gars, quand même. Eh non, mais faut la refourrier, la salade, elle est pas fraîche, attention. Hein. Moi, je suis pas spécialement un malin, mais on peut me vendre un peu n'importe quoi, mais le coup des 1000 vierges, je suis pas sûr que j'aurais becté. Hein. Vous imaginez, au moment du briefing, le mollage Jean-Christophe. Bon, allez, les gars, on se dépêche, là, on a dit 11h. Alors, les billets d'avion vont vous être remis par numéro 4. Qu'est-ce qu'il y a, numéro 6? Pourquoi on partirait pas en train? Ah, sans commentaire, vas-y, distribue sans commentaire. Ferme-la! Ne parle plus, toi, ne parle pas! En parallèle des spectacles, Dieudo commence à faire du cinéma. On le voit apparaître dans Le Derrière ou encore HS hors service, mais on le remarque notamment pour son apparition dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Il y a quelqu'un qui se glisse partout. Faire ta puce. Oui. Ah! César, voici Cartapus, notre meilleure espionne. Ave César, respect robustesse. Cartapus est une professionnelle. C'est la reine du camouflage. Exécution. Quand je regarde comme ça, on me voit. Si je regarde comme ça, on ne voit plus. On me voit, on ne voit plus. On me voit, on ne voit plus. On ne voit plus, on me voit. Super. On ne voit plus. On ne voit plus, on me voit. On me voit, on ne voit plus. On voit un peu, on ne me voit plus. On me voit. Ah, c'est surprenant. Ah oui. Ah. Là, t'es pas en forme en plus. Concernant sa carrière, on va s'arrêter en 2003. Pourquoi en 2003?
Eh bien parce que la suite, ça sera dans la deuxième vidéo. Car c'est à partir de 2003 que sa carrière a pris un tournant et qu'il est passé pour beaucoup d'humoristes talentueux à infréquentables. Abordons maintenant une autre facette de Dieudonné, bien différente de l'artiste. Parlons de son engagement politique. Son engagement politique va commencer à partir de 1995 avec l'affaire Ibrahim Ali. C'est l'histoire d'un jeune originaire des Comores qui a été tué par un militant du Front National. C'est à ce moment-là que Dieudonné décide de s'engager et de combattre le Front National qu'il qualifie comme un cancer. Il lance son parti politique, enfin c'est pas vraiment un parti politique, c'est plus une forme politique. Il va appeler ça le parti des utopistes. En 1997, il se porte candidat aux législatives de la deuxième circonscription d'Eure-et-Loir, où il est opposé à une candidate Front National. C'est une campagne sans local, sans présence sur le terrain, mais il obtient quand même 7,74% des suffrages, ce qui lui permet d'être mis sur un piédestal par la gauche à l'époque, puisque cette candidate est une personnalité très en vue à l'époque au Front National. Dieudonné un petit peu sur tous les fronts pour la régularité des sans-papiers, pour le droit de vote des immigrés. Il milite beaucoup avec SOS Racisme et en 1998, il revient dans une élection. Il est candidat aux élections régionales dans le centre, à la tête de son parti, les Utopistes. Le but, il est simple, faire barrage au Front National. À la fin de l'année 2000, il annonce vouloir être candidat à la présidentielle de 2002. Toujours à la tête de son parti, les Utopistes, il place à gauche sur l'échiquier politique. Il se veut être le porte-parole de tous ces citoyens qui ne se reconnaissent plus dans le système politique aujourd'hui. Il juge d'ailleurs le système politique non démocratique. En plus de cette casquette du porte-parole des citoyens non représentés, il se veut être le représentant des descendants d'esclaves noirs, puisqu'il qualifie l'esclavage comme la plus terrible tragédie de l'histoire de l'humanité. Malgré tout, son principal combat, c'est le logement et la justice sociale. C'est pourquoi à cette époque, il propose les Toits du Cœur, un modèle similaire au Resto du Cœur créé par Coluche, mais destiné au logement. Un an avant les élections, il est crédité de 4% dans les sondages. Et même si dans le passé, il avait été soutenu par Daniel Cohn-Bendit, eh bien sa candidature crée quelques tensions au sein de la gauche. C'est pourquoi Daniel Cohn-Bendit dit qu'il est inutile de tenter de faire un remake de Coluche en 1981. Mais Cohn-Bendit n'est pas le seul, puisque le directeur de campagne des Verts considère que Dieudonné devient mauvais et rancunier. Une chose est sûre, Dieudonné commence à déranger en politique, surtout au sein de la gauche, qu'il a pourtant soutenu lors de ses précédentes candidatures. Dieudonné ne participera pourtant pas aux élections présidentielles puisqu'il n'aura pas obtenu les 500 parrainages. Après sa candidature aux élections présidentielles, il se présentera aux élections législatives du Val d'Oise où il sera opposé au député sortant Dominique Strauss-Kahn. Cependant, Dieudonné va prendre une énorme claque puisqu'il recueillera 2,18% des suffrages. Voici un petit résumé des moments, des faits qui ont marqué la carrière et l'engagement politique de Dieudonné. La première partie touche à sa fin. Vous l'avez compris, mais cette première vidéo était là pour comprendre qui est Dieudonné et comment il est passé d'étudiant sans diplôme à humoriste talentueux pour la presse et le public français. Vendredi prochain, ce sera la deuxième partie et nous verrons comment il est passé d'humoriste talentueux à l'infréquentable numéro 1 en France. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, un commentaire, donnez-moi votre avis en commentaire, c'est important. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater la vidéo de vendredi prochain. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Mousse vous salue.